Enregistrement juillet 2026. Ça va faire maintenant 10 ans, peut-être plus, peut-être moins. J'en sais rien. 10 ans qu'on avance. Notre but précis? Bah, qu'est-ce que j'en sais? Dans les temps qui courent, avoir un but, ça signifie plus grand-chose. On se contente de faire le nécessaire pour vivre, ou plutôt survivre. Chercher des équipements, des rations. Voilà à quoi se résume notre intra quotidien depuis la guerre. Cette putain de guerre. Ça a commencé comme une guerre froide entre la France et l'Amérique, l'un critiquant l'autre de pas assez faire attention au climat, au réchauffement climatique, à la pollution. Que des conneries. Rapidement, les alliances entre pays se sont formées et la guerre froide s'est transformée en guerre de feu. Et ce qui est paradoxal, c'est que cette guerre qui a commencé de base pour la planète, c'est elle-même qui l'a arrêtée. Les radiations, les catastrophes naturelles, ça a vite eu raison de la guerre, mais ça s'est pas arrêté là. Rapidement, les gens se sont retrouvés sans défense. On s'est tous retrouvés sans défense. C'est alors qu'un groupe, une union, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, s'est créé. Ils se sont appelés les Feux Follets. C'était quoi déjà leur dicton là? Ah ouais, si vous êtes perdu dans l'obscurité, cherchez la lumière, cherchez les Feux Follets. Pff, que les conneries. Tous ceux qui ont créé à Smith sont morts aujourd'hui. La raison? Les gens sont des cons qui mettent toujours leur intérêt en avant. On est décidé de pas y croire et de se débrouiller par nos propres moyens. Et on avait bien raison. Beaucoup d'épidémies de maladies se sont répandues dans les différents camps des Feux Follets. Aujourd'hui, il n'en reste plus beaucoup. On a bien fait de rester à l'écart. Même si on s'est retrouvé sans défense pour ça. Pourtant, avant, on avait tout. Yo, mec, je suis entré. Salut. Alors, t'as réussi à ramener Manon? Non, c'était un peu une soirée de merde. Elle n'a pas l'air attirée plus que ça par l'argent. Ah ouais. Ah, putain, mec. Ce que j'ai réussi à lui dégoter. Attends, mais tout cet argent, comment t'as fait? Faut vraiment que tu jettes à côté une action, mec. En fait, c'est un truc de ouf, comment ça va? C'est un truc de dingue, ouais, check ça. On était beau, on avait une notoriété, on plaisait aux filles, aux mecs, à nos professeurs. On était sportifs aussi, en fait on avait tout pour réussir. Et seulement maintenant, réussir c'est un synonyme de survivre. Alors on survit. Tiens mec, tu peux me dire combien il nous reste de rations s'il te plaît? Une. Deux. Trois. C'est tout? Ouais. Putain, faudra qu'on aille en chercher demain. Ouais. Ça va mec? Ouais, ça va, ça va. C'est juste que tu sais, des fois je repense un peu à ce qu'on avait fait avant. Non, et moi, faut pas repenser à ça. Tu te rappelles ce qu'on s'était dit dans la maison? C'est fini tout ça. Comment j'aurais pu oublier ça? On cherche juste à manger, je vous en supplie. On il meurt de pas faim. Ici. Ça alors, fait 15 jours qu'on est dans la forêt, vraiment on meurt de faim. Je ne peux pas savoir, sortez d'ici. Ici. Vous pouvez peut-être penser que je suis un monstre. J'y ai pensé aussi au début. Ce putain de jour remontera toute ma vie. Le jour où j'ai ôté la vie à cette vieille dame, qui au final n'avait rien à nous offrir. Pourquoi est-ce qu'elle voulait nous chasser? J'en sais rien. Tout ce que je me souviens, c'est ce que Louis m'a dit ce jour-là. Écoute-moi! Ce que t'as fait là, c'est pas mal, tu m'entends? C'est même bien. Tu t'habitues à la vie qu'on va mener et à partir d'aujourd'hui, on oublie tout ce qu'il y a derrière et on avance droit. On fait comme on peut, ok? Quand on a ce dicton en tête, c'est tout de suite plus facile d'avancer. On en oublie son humanité pour se souvenir de qui compte, survivre. Vous direz peut-être qu'on est des monstres, mais en tout cas, nous, on est encore en vie. Et c'est ce mode de vie qu'on a choisi. On va où demain? On va aller au sud, regarde. On longe le dénivelé, on en a que pour quelques heures. Ça nous prend des heures. Mais non mec, on file large, c'est comme une promenade de santé. Vous le savez sûrement, car c'est quelque chose qu'on comprend assez vite, mais ce n'est qu'en vrai cas de survie qu'on se rend compte que les personnes qui ne tiennent pas à nous nous lâchent à la première occasion. J'avais de l'argent à plus savoir quoi en faire à l'époque. Qui dit argent dit relation. On en a fait des soirées de fêtards. Tous des connards. Maintenant que mon pognon ne servait plus à rien, il leur a pas fallu longtemps pour comprendre que j'étais un poids pour eux. Et pareil pour Romain, il s'est senti bien con quand tout l'empire financier qu'il avait créé s'est effondré. C'est là qu'on a vu qui était resté avec nous. Personne. On était seuls. Sans doute notre punition pour avoir trop profité de la vie. Mais alors que les choses partaient en couille tout autour de nous, on s'est promis une chose le premier jour. On commence cette aventure à deux, on la finira à deux. Les gens qu'on connaissait sont certainement morts à l'heure qu'il est,
Nous, on est encore en vie, et c'est ce qui compte. J'ai besoin de personne d'autre que lui, et il a besoin de personne d'autre que moi pour survivre, et c'est très bien comme ça. J'arrive ! Une personne m'a demandé un jour, cette guerre qui nous a tous anéantis, est-ce qu'elle laissera une trace dans l'histoire ? Quand il m'a demandé ça, égoïstement, je me suis demandé, est-ce que le chemin que je trace, moi, laissera une trace dans l'histoire ? Est-ce qu'au final, ça vaut le coup de piller les dernières boîtes de conserve de ce monde ? De toute façon, même si j'en trouve une dizaine, j'en aurai toujours besoin après les avoir finies, alors... qu'est-ce que je laisse à ce monde ? Oui ? On va où, là, en fait ? T'as un suivi. On va vers le sud, il y a un village, là-bas. Il s'appelle comment ce village ? Je sais plus mec, c'est pas marqué sur la carte. Ok. Ça, c'est marrant parce que je me souviens pas de grand chose depuis le début de tout ça, mais ce que je suis sûr de jamais oublier, c'est que cet endroit où on est là, c'est l'endroit où j'allais faire mes randonnées quand j'étais petit avec mon père. Et ce que je sais aussi, c'est qu'ici, il n'y a ni ville, ni village, ni commune. Alors je te le redemande Louis, où est-ce qu'on va ? Mec, franchement, écoute, des endroits comme ça, il y en a partout en France. Mec, arrête. Enfin, bon. Je crois que je sais pas ce qu'ils disent, les gens. Que les feux follets, ils sont en train de sauver le monde, de tout reconstruire. Me dis pas que t'y crois. Écoute, franchement, je me suis renseigné, c'est pas si mal. Mec, arrête. Putain. Une fois dans ta vie, une fois, sois honnête. Et dis-moi où est-ce qu'on va. À quoi ça rime tout ce qu'on a fait là depuis le début ? On va trouver un nouveau village ? Tu es une personne dans son sommeil pour prendre ce qu'il a sur lui ? Et après, qu'est-ce qu'on fera ? Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous ? Franchement, grandis deux minutes. Et donc, ta solution miracle, ce serait que... on redevienne tous les deux d'honnêtes citoyens chez les feux follets, c'est ça ? Non, non. Je peux pas redevenir un citoyen comme avant. C'est fini tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? T'as bien compris. Tu déconnes. Écoute, je sais que je suis pas ton frère et que je pourrais certainement jamais le remplacer, mais tu vas pas t'arrêter comme ça. À quoi ça aura servi tout ce qu'on a fait ? Je peux plus. C'est fini. Toutes les personnes auxquelles j'ai un jour tenu sont soit mortes, soit m'ont abandonné. Toi, merde! Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec quelqu'un d'autre, parce que la vérité, c'est que je serai encore plus seul. Tu as raison. Tu n'es pas mon frère, et certainement pas mon ami. Tu sais quoi? Je pense qu'il est grand temps pour ça, toi. Tu peux garder le sac. Et le fusil aussi. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça que le grand duo Romain et lui va s'arrêter. Bah, lui, il a dû décider de tout arrêter. Eh, hey, tu m'écoutes ou pas? Je t'arrache, moi! Non ! Qu'est-ce que tu fous là ? Romain ? Romain ! Non, non, mec, ça va ? Non, ça va bien se passer, c'est bon. C'est rien, je connais. C'est quoi ? Dans mon sac, j'ai du matos, je vais. Non, non, je viens. Quoi ? Quoi la lumière ? Non, 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 faut pas suivre les lumières, mec. Faut rester là. Les feux follets, ils vont freiner. Non, non, bon. C'est quoi, on va pas voir les feux follets, on va rester toi et moi. Et tout ce que j'ai dit avant, c'était faux. T'es bien plus que mon frère, t'es plus qu'un ami, t'es tout pour moi. Alors s'il te plaît, ne pars pas. Non. Reste là. Romain ? Romain ? Romain ? Romain ? Non, 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 qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je vais faire, putain ? Allez ! Au final, j'aurais vraiment rien laissé dans ce monde. Ça valait pas le coup de vivre. Et vous, qu'est-ce que vous laissez au monde ?
C'est quoi ça? Rien. Juste des gens sans importance. Allez, c'est pas grave, faut qu'on y aille. Les feux follets sont par là-bas. Ok. Toujours suivre la lumière. Lately I've been wondering what's been going on. I've been here before but I don't remember when. And every time we get to where we're entering, I feel my beliefs and hopes surrendering. But I know I'll be coming home soon. Yes, I know.